Les réseaux professionnels peuvent apporter énormément aux entreprises, puisque vivre, je dirais, en autarcie, vivre seul aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Donc on sollicite aujourd'hui les entreprises à sortir de chez eux, à aller à la rencontre justement d'autres professionnels, à échanger sur les bonnes pratiques et à se dire, voilà, quelle est la stratégie à mettre en place chez moi, sachant que chez mes collègues, chez mes confrères, chez mes concurrents même, hein, on peut apprendre plein de choses. Et je trouve que les réseaux professionnels sont une mine d'or, une mine d'informations, un bon moyen de se détendre tout en apprenant des choses, tout en passant un bon moment et en sortant de sa solitude de chef d'entreprise. Déjà, d'abord le mot réseau, qu'il soit professionnel ou social, ça veut bien dire qu'à un moment donné, on a besoin d'aller vers l'autre, d'être en connexion, hein, comme un réseau informatique, pour pouvoir travailler. Et les deux aujourd'hui, parce que c'est dans l'air du temps, professionnel, parce que je pense que plus que jamais on doit être dans la relation humaine, et c'est bien dans le réseau professionnel qu'on fait un échange humain, certes professionnel, mais qu'on va aller chercher quelque chose qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Et puis social, parce que c'est le digital, et qu'aujourd'hui moi je suis partisan d'un slogan pour lequel je suis convaincu que c'est comme ça qu'il faut vivre: 100% humain, 100% digital. Bref, il faut vivre la vie à 200%. Donc un réseau professionnel. Donc moi, pour commercialiser donc les voitures Renault, donc au sein des entreprises et des professionnels, donc c'est important de toucher le prospect, le client dans les situations opportunes, parce que bon, aujourd'hui tout le monde a la tête dans le guidon, et donc ce qu'il faut c'est trouver des solutions pour arriver au bon moment et à trouver la bonne solution et proposer le bon produit. C'est une façon de sonder et c'est une façon d'approcher les gens d'une façon un peu différente de la problématique qu'on a tous les jours où on gère que l'urgence, quoi. Okay. Alors que là, bah, gérer autour d'un maire, c'est plus ouvert et c'est plus facile, quoi. La convivialité. La convivialité. Ouais.